Charlie, ici Vainqueur, ici en SR, au rallye de Tenneville 2024. Comment s'est passée la course ? Ben, impeccable, merci, ouais, non, nickel. Première spéciale, c'est la première qu'on s'est fait peur. Là, les pneus, trop durs à mon avis, enfin, ils n'ont pas pris la température. Les réglages suspension, enfin bref, on s'est fait avoir et on a eu beaucoup de chance de rester sur la route. Enfin, on a d'abord été un peu dans le talus et puis on est revenu. Là, on a changé un peu le réglage, on a modifié donc la pression des pneus, les suspensions. Et finalement, voilà, la voiture s'est mis en confiance et tout, et ça allait vraiment, vraiment bien. Et, bon, on n'a eu aucun pépin, on a eu bon, on s'est marré. Que penses-tu de la nouvelle spéciale ici ? Tain, c'est chaud. Elle est belle, super belle. Je pense qu'il faudrait passer une dizaine de fois encore pour vraiment aller vite dedans, parce que c'est compliqué avec les virages qui se resserrent et tout ce qui est en aveugle. Du fort bosselé, donc on pourra encore remodifier les réglages pour essayer d'apprendre, mais il y a toujours à apprendre, hein. Voilà, heureusement, ouais. Bon, c'est la suite avec l'assistance, etc. Heureusement qu'on a quand même tout le monde autour de nous pour nous aider et pour que voilà, on arrive à la fin sans problème, quoi. Alors Antoine, comment ça s'est passé ici à la droite de Charles ? Bon, très bien, comme Charles a dit, une petite frayeur dans la première. On a eu peur tous les deux, je pense qu'on se voyait partir tous les deux en tonneau ou sortir de la route, en tout cas fortement. Mais après, tout s'est bien passé et on a terminé, on est resté régulier au fur et à mesure de la journée. Et voilà, on est à la fin, on est bien content d'y être, on s'est bien amusé. Super bien, pas d'erreur, aucun problème sur la voiture, tout a bien roulé, donc voilà, nickel. Que penses-tu du tracé ici à Tenneville ? Bah, le tracé il est beau, on le connaît, on vient ici depuis 2-3 ans, enfin du moins avant c'était le rallye sprint, la deuxième spéciale était nouvelle. Moi j'ai vraiment bien aimé cette spéciale-là, qui convient bien à notre voiture, c'est plus technique. Voilà que dans la longue spéciale, ben, il faut un peu plus de puissance et plus d'allonge, surtout sur des secs comme aujourd'hui. Et ouais, on pensait pas venir gagner ici. Bon voilà, il y a l'abandon de Fred François. Et on termine dans la même seconde que Jean-Claude, Simon. Donc voilà, donc, on va être content, super content, c'est bien. On te revoit où ? Normalement, ce sera le rallye sprint de Bercheux au mois de juillet. Nickel. Oui, bah, excellent. On n'a pas pensé à ce résultat. Bon, malheureusement, il y avait pas mal d'abandon. Mais ce matin, ça a commencé directement assez chaud. On était les quatre premiers dans 3-4 secondes au classement général. Et ça continuait pendant les prochaines spéciales pareil. Et bon, alors ils sont venus les abandons pour nous. Heureusement, la voiture fonctionnait impeccable. On avait un seul souci avec les démarreurs, mais pas grand-chose. Et oui. Maintenant, très content d'avoir terminé, de gagner ce rallye. Que penses-tu du parcours ici à Tenneville ? Oui, pour AB Short, c'est super bien qu'ils ont mis une deuxième spéciale par rapport à l'année passée. C'est une belle spéciale, c'est assez vite, c'est un beau parcours, top organisation, tout s'est passé bien. Au début un peu difficile parce que bon, il a fallu se réadapter un peu à la voiture, donc j'ai roulé que deux fois avec l'année dernière et avec une longue période d'arrêt, donc il a fallu se réadapter. L'hiver on a tout modifié, suspension, enfin on a dû tout repartir à zéro, donc au début j'ai eu beaucoup de mal à reprendre du rythme et à se remettre dedans, et là les deux dernières étaient vraiment super. Voilà, on a bien amélioré et c'est de bon augure pour la suite et voilà. C'est du programme pour toi ? Alors on espère peut-être aller à Io normalement, et puis on va voir un petit peu se focaliser sur les Bershort Rally Sprint et peut-être le Rallye Luxembourg, on va voir un petit peu, et le Rallye Longwy qui est juste à côté de chez nous.
Très bien. Déjà sur le sec, par rapport à ce qu'on a connu à la LOM, c'est tout à fait différent. Donc, une grosse spéciale chaud, génial. Et là, l'autre spéciale, un tout petit peu bosselé pour ma voiture. Donc, c'était assez hard. Il fallait bien rester concentré pour ne pas aller dire petit bisou au castor. On te revoit où après ? Bercheux, je crois. Bah écoute, moi c'était là mon premier rallye avec, avec une 4x14, donc d'abord tout doucement, crescendo, spécial par spécial, en apprenant la conduite, et puis ben voilà, comme tout le monde l'a vu, beaucoup d'abandon devant nous, et nous on est resté sur la route, on a roulé vraiment, on a fait doucement avec la mécanique, et puis ben ça s'est bien passé, ça allait mieux de spécial en spécial, je pense que je fais des meilleurs temps de spécial en spécial, et donc voilà, au bout du compte, le podium en 4x14, c'est bah, ça me fait un immense plaisir évidemment, et au propriétaire de la voiture aussi. On te revoit où après ? Bah, certainement Critérium Le Dent, parce que c'est vraiment dans mon coin. Le Mickey, parce que là c'est carrément dans mon jardin. Et puis bah, comme l'année dernière j'avais fait une fois le rallye avec une Clio R3, je crois que je compte rouler avec cette auto-là au Crète à Malmedy, parce que je suis en même temps pilote au championnat de Belgique d'enduro moto. Donc pour le moment j'ai pas mal de dates pour la course en moto. Ben, c'est été, l'auto est toujours aussi fiable comme chaque rallye, et je remercie ceux qui la préparent, Philippe, et je remercie mon copilote parce que fidèle au poste, et c'est grâce à eux qu'on roule aujourd'hui. Voilà. Que penses-tu de la nouvelle spéciale ici ? C'est fort rapide, on n'a pas droit à l'erreur. Je ne l'aime pas trop, mais je me suis amélioré chaque passage. Et il faudra 2-3 fois la faire au plus et ça ira mieux. Ouais. On te revoit où ? Normalement à Lyon. Après les sprints d'Lyon, voilà. Merci, la course s'est passée super bien. Juste ici en dernière boucle, on a eu un problème de frein, les freins qui restent bloqués, c'est pour ça qu'on en perd 17 ici dans celle-ci. Mais voilà, le restant parfait, spécial parfaite. Et voilà, là où on a fait la différence, c'est dans la deuxième spéciale qui est fort technique. Et la voiture est vraiment, vraiment prévue pour. Donc voilà, week-end parfait. Tu revois où après ? Sûrement au rallye sprint de Bercheux. Après, je sais pas trop, c'est un peu au compte-goutte. On voit ça. Alors Aurore, comment ça s'est passé ici à droite de François ? Rien à redire, impeccable, bon pilote, bonne voiture. Dommage ici pour la septième que malheureusement les freins bloquent, donc on perd du temps, donc voilà. Mais impeccable, rien à redire. J'ai bien aimé la deuxième par contre, que je la redoutais vraiment, mais aux notes c'est impeccable. Bah, plutôt bien, pas d'ennui de la journée. Peut-être démarrer un petit peu trop prudemment ce matin. Et on a eu affaire à un très grand François aujourd'hui. Et même si on avait démarré plus fort, on n'aurait pas pu être devant, parce que c'est vraiment l'homme de la course. Il mérite amplement sa victoire, je suis content pour lui. Et nous, on est deuxième derrière, donc on est à notre place aujourd'hui en tout cas. Que penses-tu de la nouvelle spéciale ici ? Très compliqué, mais bon, ça fait partie du sport, il faut pas que ce soit toujours facile, mais ouais, plutôt dangereuse, piégeuse et ouais, difficile, mais on y prend goût, on attend l'année prochaine, vu que maintenant on la connaît un petit peu pour renouveler. Et tu revois où ? Ayo, si tout va bien. Nickel. Thank you.
Une course incroyable, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était le premier rallye pour la copilote, on est ici vraiment pour encore essayer le moteur. Et après la première boucle, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à jouer et on a continué sur un gros rythme. Et voilà, ça a payé, je pense. Que penses-tu du parcours ici? Un incroyable parcours, la première j'adore et la deuxième j'ai vraiment aimé. C'est incroyable, la spéciale. Tu revois où? Assis normalement. On a démarré la journée plutôt bien avec un deuxième. Enfin, on était deux général après la première boucle. Et ensuite, dans la deuxième boucle, j'ai un petit peu pataugé, on va dire. J'ai un peu fait n'importe quoi. Et là maintenant, on termine la journée quatrième. On a fait le chrono. Je suis content de mes chronos. Donc voilà, donc c'est chouette. Ça, c'est une bonne journée. Super rallye. Tu revois où Le prochain, je vais essayer d'aller à la Principauté ou au Deux-Oiles. Voilà.